Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et vraiment de vous retrouver, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un petit peu à sec au niveau des idées. Et là, ce week-end, l'illumination. Alors, j'ai eu l'idée pharaonique, ça va être énorme, ça va être génial. Je sais que d'habitude, je préfère quand même vous laisser la surprise de découvrir un petit peu, mais là, je suis vraiment trop content quand même d'avoir eu cette idée. Ça va être un truc énorme. Bon, je vous avoue, ça va tenir certainement sur 2 jours parce que j'ai trop de trucs. C'est trop petit, même pour un si plateau. Vraiment, je suis trop content, je suis trop heureux. Ça me fait tellement plaisir. J'avais envie de partager ça déjà avec vous pour commencer. Bon, bien sûr, quand même, on retrouvera les rubriques générales de 100%. La critique de jeu, ce sera Trouble Witches Neo. Il y aura Oscillation J parce qu'on est le premier lundi du mois. Et puis, il y aura Autoplay Sample. Et on commencera par des news, pardon. Et bien sûr, après, vous allez voir, ça va être un festival. Ces derniers temps, la qualité des jeux Disney a considérablement augmenté, que ce soit des adaptations de dessins animés comme Toy Story 3 ou encore des productions originales comme Split Second. Toujours dans ce même état d'esprit visant la qualité, la célèbre entreprise annonce son nouveau jeu de plateforme, Disney Universe. Vraisemblablement axé sur le multijoueur avec la possibilité de jouer à 4 joueurs en coopération, cette nouvelle production vous fera naviguer entre les différents univers de la firme comme Wall-E ou encore Monstres et compagnie. Le jeu sortira à la fin de l'année sur Mac et PC, PS3, 360 et Wii. Shogun 2, le dernier épisode de la série Total War, vient d'accueillir un premier DLC vendu à 3,50€. Pour ce prix modique, vous aurez le droit à un nouveau clan, les Ikko Ikki, jouable en solo et en multi. Une nouvelle unité disponible pour tous les clans, la non-guerrière, ainsi que les classiques compétences et armures bonus, seront également de la partie pour prolonger l'expérience. Si vous êtes passé à côté de cette merveille de stratégie, vous pouvez toujours regarder la critique sur No Life Online, avant peut-être de vous plonger dans le meilleur épisode des Total War. Sorti depuis quelques temps sur PC, The Next Big Thing, le nouveau jeu d'aventure des créateurs de Runaway, va avoir le droit à une sortie sur Mac. C'est le 2 juin que les amateurs de pommes et d'aventure pourront jouer au nouveau titre de Pendulo. Et si vous aimez les jeux d'aventure à l'ancienne, vous tomberez certainement sous le charme. Quant aux indécis, vous pouvez voir notre critique plutôt positive sur No Life Online. En développement depuis plusieurs années, Driver San Francisco sera certainement l'un des jeux phares d'Ubisoft durant le prochain E-Cube. Aujourd'hui, ce n'est pas du gameplay, mais le contenu de sa future édition collector qui nous est présenté. Une édition qui nous a déjà été dévoilée il y a un an, à l'époque où le nouveau Driver devait sortir fin 2010. Cette version collector comprendra une réplique miniature de la Dodge Challenger conduite par le héros, une carte de San Francisco, un comic book, ainsi que 3 voitures et 4 défis disponibles in-game. 2 offres de précommande sont également disponibles en fonction des enseignes, comprenant à chaque fois un défi et une voiture pour le mode multi. Driver San Francisco est prévu pour le 1er septembre et on devrait avoir plus d'informations sur son gameplay durant l'E-Cube. Et alors, à ce moment-là, Pépé répond à Mémé : Mais non, c'est normal, c'est parce que t'as les seins qui tremblent dans le potage. Et c'est pour ça que tout de suite, on retrouve la critique de Trouble Witches Neo. Ah ouais, effectivement, c'est impressionnant, hein. tu t'es défoncé. Hein. Ah bah oui, attends, c'est incroyable. Mais je m'y attendais pas, je préparais pas en fait. Et puis tout d'un coup, j'ai eu l'illumination, l'idée de ce truc. Et je te dis, attends, le plateau suivant, vraiment, il va cartonner, tu vas voir, ça va être énorme. Ces nouvelles idées que j'ai eues, vraiment, je te dis, j'ai vraiment l'impression que je renais. Tiens, à propos de René, t'as vu qu'il sort un nouveau single ? Trouble Witches est un shoot'em up amateur sorti en 2007 sur PC. Produit par le collectif, ou plutôt le cercle Studio Siesta, il a rencontré un franc succès grâce notamment à un univers kawaii et des graphismes de grande qualité. Chose peu courante dans le monde des doujin, ce jeu est porté en arcade 2 ans plus tard sur Taito Type X. Et pour finir en beauté, Trouble Witches est désormais accessible à tous grâce à sa sortie en avril dernier sur le XBLA sous le nom Trouble Witches Neo.
L'occasion pour nous de jeter un œil sur cette production haute en couleurs. Le scénario est rarement le point fort d'un shoot'em up. Trouble with Cheese Neo ne fait pas exception à la règle. L'histoire se passe dans le monde d'Aimland, où les filles d'une certaine amalgame font des bêtises. Vous incarnez donc une jeune sorcière qui part régler tout ce raffut. Ça ne vole pas très haut, mais force est de constater le gros travail sur la mise en scène et le background des personnages. Chacun dispose d'une histoire propre et les boss seront l'occasion de dialoguer pour voir l'histoire avancer. Un familier accompagnera également chaque héroïne et ne manquera pas de mettre son grain de sel dans les conversations. Trouble with Cheese Neo nous laisse le choix entre deux modes principaux. Le mode original, qui est un portage de la version arcade, et le mode Arrange 360, qui est le cœur du jeu. L'écran a été adapté pour le 16/9 et de nombreux bonus ont été ajoutés. Outre le mode classique pour un ou deux joueurs en coopératif, le mode histoire vous permettra de profiter du scénario. Les dialogues sont doublés en anglais et... ouf, on peut remettre les voix originales japonaises dans le menu. Il est également possible de mettre les textes en français, anglais et même japonais. On ne pouvait pas demander mieux. Enfin, dans le mode challenge, vous pouvez tenter du score attaque sur 3 ou 5 minutes, le but étant de réaliser le plus haut score dans un temps imparti. C'est l'idéal pour se tirer la bourre sans prise de tête avec des amis. Un boss rush est aussi présent. Il vous faudra tenir le plus longtemps possible face au boss du jeu qui gagne en puissance à chaque loop. Trouble with Cheese Neo propose 6 personnages par défaut. 2 autres sont débloquables et un dernier est téléchargeable pour un total de 9 protagonistes. Chacun dispose de statistiques et de types de tirs différents. À vous de trouver celui qui vous correspond le mieux. Une fois le personnage choisi, une palette de 3 modes de difficulté s'offre à vous. Facile, normal, difficile, ainsi qu'un mode extrême à débloquer permettront à tous les profils de joueurs de s'amuser. Et on est parti. Le monde de Trouble with Cheese est très coloré, les graphismes bien que simples sont très beaux et l'humour otaku est omniprésent. Les fans de shmup viril seront sûrement désemparés face à tant de moe à l'écran. Bien que le début du jeu paraisse tranquille, l'écran se charge rapidement en boulettes et une bonne gestion de la barrière magique se révélera vite indispensable. La barrière magique est une aptitude qui permet de stopper les tirs ennemis dans une zone définie autour du familier. En plus de permettre de temporiser l'action, les tirs ralentis d'un ennemi seront transformés en pièces lors de sa destruction. La survie, ainsi que le score, repose donc sur le bullet cancel. Mais cette barrière n'est pas pour autant infaillible. Déjà, les tirs ne sont pas complètement stoppés, mais très fortement ralentis. Et si un ennemi vient à sortir de l'écran, ces tirs que vous avez ralentis vireront au jaune et vous fonceront dessus. L'utilisation de la barrière consomme des MP représentés par la barre verte en haut à gauche de l'écran. Bien qu'elle se remplisse toute seule quand la barrière est inactive, il ne faut pas en abuser sous peine de tomber à court. Pour éviter d'avoir à regarder sa barre de MP en pleine action, un rappel de la jauge a été implémenté de façon circulaire autour du personnage. Un confort très appréciable qui n'est pas sans rappeler Esp Galuda. Danmaku oblige, le masque de collision du joueur est tout petit et représenté sous la forme d'un point au centre du personnage. On peut le visualiser en maintenant le bouton de tir afin d'éviter toute collision malencontreuse. Mais attention, on ne diminue pas la vitesse de déplacement par la même occasion. Pour récolter sans effort les pièces lâchées par les ennemis, il suffit de lâcher le bouton de tir. Elles seront alors automatiquement aspirées vers vous. Ces pièces servent de monnaie dans les magasins ambulants que l'on peut trouver dans les niveaux. Tenue par une timide jeune demoiselle, vous pouvez notamment y acheter de puissantes attaques sous forme de cartes. Il suffit ensuite d'activer l'attaque spéciale en appuyant sur un bouton, vous octroyant ainsi plus de puissance pendant un court laps de temps. Tout comme la barrière magique, on peut savoir où en est la carte grâce à une jauge autour du personnage. Une fois arrivé à zéro, la carte disparaît de l'inventaire. Le jeu ne dispose pas de Smart Bomb contrairement à la majorité des Danmaku, mais si vous vous faites toucher durant l'utilisation d'une carte, vous perdrez la carte en cours au lieu d'une vie. Il peut donc être judicieux d'en activer une quand on se trouve dans une situation désespérée, à l'instar d'une bombe. Enfin, les cartes sont l'unique façon d'obtenir des pièces étoiles qui viennent gonfler le compteur en bas à gauche de l'écran. Et, oh joie, ce compteur se révèle être l'élément essentiel du système de scoring. En effet, ce dernier agit comme un multiplicateur de points à chaque ennemi abattu.
Il est donc important de le faire monter rapidement, si possible à son maximum de 2500, et de ne pas perdre de vie sous peine de le faire diminuer de 25%. Si l'on résume donc la base du scoring, il faut bien gérer sa barrière magique afin d'avoir beaucoup de pièces et ainsi acheter des cartes dans les magasins, et enfin les utiliser dans les endroits les plus chargés en ennemis et boulettes pour récolter des pièces étoiles. Un système efficace qui offre beaucoup de possibilités. Chose très appréciable, le tutoriel consultable dans les options du jeu est complet et très bien ficelé. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous ne comprenez pas quelque chose. Trouble Witches Neo est le genre de titre qu'on aimerait voir plus souvent. Le parcours atypique de ce doujin suscite l'admiration et il y a de quoi. Le jeu est beau, bien pensé et intéressant à jouer. Studio Siesta s'est inspiré de grands classiques du shoot'em up et a su les intégrer dans un univers très kawaii. On ne peut s'empêcher de penser à Gradius ou à Darius face à certains boss et le gameplay est fortement influencé par les œuvres du studio Cave. Quelques petits défauts sont là malgré tout. On remarque quelques fautes d'orthographe en français et le fait que le bouton de confirmation ne reste pas automatiquement sur le bouton de tir peut s'avérer lourd pour les joueurs au stick. Enfin, les continues ne resettent pas le score et le personnage le plus puissant est comme par hasard payant. Mais tout cela relève plus du chipotage qu'autre chose. On tient là un excellent shoot'em up qui aurait presque mérité une sortie en boîte. Au vu du faible nombre de sorties schmumesques de par chez nous, de son petit prix sur le XBLA et de la qualité du jeu, il serait vraiment dommage de s'en priver. Yataka! Bon, ça c'est bon. Bonjour Benoît, c'était vraiment top. Oh bah merci Alex, ça me fait plaisir quand même. Mais là je me suis vraiment défoncé. Hein. À propos de défoncer, t'as vu, excuse-moi je reviens dessus, mais pour le nouveau single ils ont sorti ils ont fait un flash mob. Oui, j'ai vu ça, mais bon, des flash mobs, tu sais, ils en font maintenant pour un oui pour un non. Quoique, c'est pas faux, celui-là c'est vrai qu'ils essayaient de battre le record du monde je crois, de monde ou de France. Bon, je sais plus trop. Mais normalement, c'était le 11 mai. Attends, je regarde vite fait sur la net. On regarde ouais. L'association J, puis je te dis. Ce mois-ci, nous fêtons les 4 ans de No Life. Pour marquer l'occasion, c'est l'équipe de la chaîne qui choisit les sujets d'oscillation pendant tout le mois de juin. Aujourd'hui, c'est Alex qui est à l'honneur et il a choisi le titre Swinging Nippon du groupe Kishidan. Ce groupe de rock'n'roll et de pop parodique a été fondé en 1997. Il est composé de 6 membres et s'inspire largement de la musique et des costumes des années 80. C'est notamment pour cela qu'une analyse strictement musicologique de la chanson Swinging Nippon n'est pas chose facile. Basé sur des structures de rock classique, le morceau évolue autour du La majeur et s'amuse parfois à passer par une gamme de blues. Mais il reste harmoniquement assez simple. C'est au niveau de la structure que les choses se compliquent un peu. Dès le début de la chanson, on a une structure assez régulière. Elle comporte une introduction de 20 mesures, très inhabituelle pour le genre. Suite ensuite, le refrain composé de 2x8 mesures, puis un pont avec un riff de guitare syncopé, c'est-à-dire en dehors des temps forts de la mesure. Le premier couplet comporte 2 groupes de 16 mesures, on y entend d'ailleurs clairement le riff de guitare de la chanson TNT d'ACDC. Après le couplet, on retrouve de nouveau une petite transition. Le refrain revient à l'identique en 2 groupes de 8 mesures. <t'->
suite suit une section de solo instrumental qui met en scène un combat de danse que se livre le groupe dans le clip. On y trouve peut-être la référence à de nombreuses chansons de J-pop, comme par exemple le titre Koinodan Sight des Morning Musume. La deuxième partie du couplet est ensuite reprise, puis on retrouve le refrain après un bref break. Structure bien loin de l'habituel couplet-refrain carré et clair du rock'n'roll. Cet aspect musical contribue largement au sentiment d'agitation et de confusion de la chanson et souligne joliment le tumulte du clip. Une analyse strictement musicale de Swinging Nippon est compliquée car il s'agit là de plus que d'une simple chanson parodique. Le titre joue sur des références musicales, une structure complexe et irrégulière, des costumes totalement incongrus, une chorégraphie pour le moins originale, et un scénario absurde pour créer une œuvre complète. La musique ne peut presque pas être dissociée du clip, et seules ses paroles, truffées d'humour absurde et d'optimisme rose-bonbon, donnent de l'autonomie à la chanson. Swinging Nippon est ainsi une œuvre parodique à part entière qui assume entièrement toutes ses références et son beau brin de folie. Bravo. Ah. Ça me fait plaisir. Hein. Non mais vraiment là, merci parce que franchement, je crois qu'on là ce coup-là, on s'est vraiment inscrit dans le dans l'histoire de la télévision. C'était un truc énorme. On va le ressortir à tous les bêtisiers, ça va tourner en boucle. Vraiment, je vous remercie. Et en même temps, c'est aussi une faveur que je vous ai fait parce que c'était vraiment un truc excellent. Hein. Je vais pas me jeter des fleurs, mais c'était super, Benoît. Mais je voulais juste te demander, tu as participé toi à la Flash Mob, non? Oh bah non, attends, le 11 mai, attends, je sais plus où j'étais, mais... Attends, j'étais pas participé, là-bas. Pourtant tu connais la Corée par cœur. Oui, oh bah, en même temps, c'est pas compliqué à retenir, hein. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît, quelqu'un? Allez, et hop là! Oui, bah, la Corée, oui, je te dis, elle est simple. C'est quand même... Oula, oulala, moi ça m'est égal. Oula, oulala, je trouve pas normal. Oula, oulala, va ta 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 ta. Oula, oulala, ta 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 ta. Alors, non, on voit que t'as 10 ans de soirée bidée musique, hein. Ah bah, et encore, à l'époque, j'étais plus en forme. Hein. Maintenant, on sent que je suis un petit peu plus mou. Hein. Mais bon, alors, en même temps... J'ai une idée, Alex. On pourrait, je referais la Corée, et puis toi, à ce moment-là, tu pourrais la tourner, puis ça ferait un petit peu de générique, un pré-générique marrant. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample, l'avant-dernière émission avant la fin de l'année. Aujourd'hui, on va parler de sorties d'albums, de téléchargements, des nouvelles intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite les concerts. Qui dit été qui approche dit Japan Expo, et cette année, l'invité d'honneur jeux vidéo sera Monsieur Yamaoka Akira, que vous connaissez déjà, puisque c'est lui qui a composé les musiques génériques de 101% sur la chaîne. Alors Monsieur Yamaoka, à la base, quand même, il est connu, puisque c'est le compositeur de la série Silent Hill et aussi de bon nombre de chansons sur les jeux Bimani. Et cette fois, il sera accompagné de ses musiciens et aussi de la chanteuse et guitariste Manu, dont on diffuse le clip sur la chaîne, pour donner un concert. Alors, on ne connaît pas encore la date, l'heure, ça devrait tomber bientôt sur le site, j'imagine. Aujourd'hui, on commence avec la bande originale d'El Shaddai. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce jeu qui est développé par des anciens de Capcom. En quelque sorte, c'est une espèce de fusion de Okami,
de Cho et Nikki avec un scénario tiré des récits bibliques. Voilà, c'est concept comme on dit. On revient à la musique puisque c'est ce qui nous intéresse. Elle a été composée notamment par Koda Masato, lui aussi un ancien de Capcom. Il avait travaillé sur Marvel vs Capcom, sur plusieurs Devil May Cry et sur Monster Hunter 2. Et ici, il mélange plusieurs genres. C'est-à-dire que par exemple, quand ça va être des boss, souvent on va retrouver des musiques un peu métal. Parfois, on aura de la techno avec des cordes dessus pour le côté décalé. Et dans les thèmes principaux, les grands thèmes du jeu, on va retrouver du classique avec des voix, parce que quand on met des voix, tout de suite ça prend de l'ampleur et c'est mystérieux. On continue tout de suite avec un jeu de guerre. Oui, j'ai envie de dire jeu de guerre, même si tout le temps on me dit « Ouais, mais c'est les gens qui connaissent rien aux jeux vidéo qui disent jeu de guerre. » Je fais ce que je veux, c'est la guerre dedans, je peux dire jeu de guerre. C'est même un TPS de guerre. Et ce jeu, c'est SOCOM 4. Et attention, les musiques ont été composées par le compositeur des musiques de Battlestar Galactica. C'est Beers McCreary. Je pense à Beer Grylls, d'ailleurs, à chaque fois que je vois son nom. Et comme dans Battlestar, le truc qui ressort quand on écoute, c'est les percussions. Parce que Beers McCreary, il aime les percussions, et met des percussions qu'on entend bien partout dans toutes les chansons, mais c'est pas grave parce que c'est très bien ce qu'il fait. La petite particularité de SOCOM 4, c'est qu'il a utilisé donc un orchestre européen, mais qu'il a aussi inclus des sonorités asiatiques, type des flûtes, shakuhachi, etc. Et aussi des cordes, voilà, donc ça donne un petit côté, c'est un petit côté différent des bandes originales des autres jeux de guerre. C'était un jeu de guerre, je dis ce que je veux. On passe tout de suite à autre chose, puisque c'est voilà, ce jeu que tout le monde attend, le RPG né de la coopération entre Level 5 et le studio Ghibli, c'est Ni no Kuni. En tout cas, ici on va parler de la version DS. Donc, comme on a le studio Ghibli, très logiquement ils ont fait appel à Monsieur Issei Shijo, le compositeur de la plupart des musiques des films du studio Ghibli, qui sera d'ailleurs en concert au Zénith le 23 juin. Et ici, dans Ni no Kuni, il a fait à peu près la même chose que dans les films des studios Ghibli, à savoir un truc où on part vraiment à l'aventure, et c'est super cool, ça a été enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Tokyo, sur le CD, oui, sur le CD, parce que le son DS il est moche et on n'entend rien, donc vraiment, si vous voulez apprécier les musiques de jeu, je vous conseille d'acheter le CD. Oui, on va encore parler de Portal 2. J'imagine que les allergiques à Portal commencent à s'arracher les cheveux. Et pourquoi on parle de Portal ? Parce que Valve a mis à disposition une partie des musiques du jeu gratuitement sur son site. Vous pouvez aller télécharger ça. Et même, il y a 6 chansons qui ont été faites version sonnerie de téléphone. Attention, hein, c'est pas les téléphones d'il y a 10 ans, hein, c'est quand même pour les smartphones de maintenant. J'aime bien les intros en dessin animé, et ça tombe bien parce que cette semaine, il n'y en aura pas une, mais deux. Tout d'abord, il y aura celle de God Eater Burst, le soi-disant rival de Monster Hunter, développé par Namco Bandai sur PSP. Mais voilà, faut pas déconner, quand on voit les chiffres de Monster Hunter, enfin, les chiffres de vente au Japon, comme on dit, peuvent pas tester, c'est pas possible. Alors God Eater Burst, les musiques ont été composées notamment par Go Shina et d'autres compositeurs, made in Namco Bandai, et si vous avez joué au 1, vous allez reconnaître tout de suite que dans God Eater Burst, bah, la musique de l'intro c'est juste un remix. Les ados torturés qui veulent sauver le monde, on passe à un truc un petit peu différent, puisque cette fois-ci ce sont des enfants qui jouent au foot mais qui sauvent le monde quand même. C'est Inazuma Eleven, le RPG footballistique développé par Level 5. Alors,
Peut-être vous avez déjà vu la série animée qui passe en France sur une autre chaîne. Et pour le jeu, ils ont repris le générique. Oui, de la série télé. C'est comme les génériques à l'époque de l'École des Champions. C'est pareil, c'est tout aussi niais, avec un des rythmes un petit peu brésilien au début, parce que voilà, football Brésil, hein, c'est logique. Et la seule différence, c'est que dans la version, l'intro de la version DS, eh ben, ils ont changé les images, mais bon, c'est bien quand on a 8 ans. Et oui, vous pensiez peut-être que l'époque des génériques pourris style Club Do, Pokémon, Digimon était terminée. Eh bien non, voilà, Inazuma est là pour prendre la relève. D'ailleurs, si vous êtes fan de génériques absolument nuls, j'adore celui de Power Rangers Super Police Delta, que ce soit les paroles ou la musique, et il paraît que c'est chanté par le frère d'Ophélie Winter ou un truc comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on se revoit dans 2 semaines. Ça sera le dernier Autoplay Sample de la saison avec, attention, un invité de marque, ça sera l'interview de Kikuta Shiroki, le compositeur de Secret of Mana. À bientôt! Mes bien chers geekettes, je sais que nous terminons ce 5% sur un climax insoutenable, alors bon. Je sais bien, mais ça fait aussi partie du jeu, alors pour avoir la suite et la fin de cette histoire fantastique, ben, je vous donne rendez-vous après-demain, puisque demain, nous retrouvons avec plaisir Pili. Et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une belle journée, en vous faisant de gros bisous et en espérant que vous réussirez à soutenir ce suspense insoutenable.